annoncer le renversement des principautés, j'avais décidé comme ça de rentrer sur Toumodi pour aller me faire soigner chez ma grande sœur. Et quand je suis parti, je suis allé dans un village de la localité qu'on appelle Puebo. Là-bas, c'est la principauté des femmes de nuit qui règne beaucoup. Et quand je suis parti, la femme du dirigeant m'a dit que son mari était en voyage sur Abidjan. Donc, elle me demande de diriger la croisade pour le renversement des principautés. Je lui ai dit, OK. Frère, nous avons commencé à prier et nous avons insisté sur la femme de nuit. Frère, je ne savais pas que la femme de nuit me suivait toujours. Et après la prière, la nuit, quand je me suis endormi, je vois des personnes qui me disent, mais il faut aller lui demander pardon, elle est en colère contre toi. Frère, je leur ai posé la question, lui demander pardon, pourquoi? Il dit, non, mais ta femme est en colère, pourquoi tu ne vas pas lui demander pardon? Je leur ai dit, je ne suis pas marié, je n'ai pas de femme, je ne demande pardon à personne. Frère, c'est comme si j'avais demandé au diable de tomber par terre. Elle a commencé à se rouler à gauche, à droite. Et il y a un qui est revenu, pardon, il faut aller lui demander pardon. Je leur ai dit non. Vous-même allez lui demander pardon, moi je sors et je suis sorti de là où ils étaient. Pour le second jour, nous avons commencé à prier sur la maladie. Et en plein milieu de la prière, j'ouvre les yeux, je regarde à la porte. Frère, j'étais vraiment surpris, mais je vois un ange qui était arrêté là. Et après la prière, j'ai dit aux frères, est-ce que vous voyez ce que je vois? Les frères ont regardé derrière, mais personne ne voyait. Et quand la femme du dirigeant a regardé, elle s'est mise à rire. Frère, quand je partais à la prière, j'avais sérieusement mal au ventre et je crachais déjà le sang. Et on m'a dit comme ça que j'étais à la 3e phase. Et si jamais je pars à la 4e phase, c'était mes intestins qui étaient déjà perforés. Et on m'a dit comme ça que j'étais déjà à la 3e phase. Et si jamais je partais à la 4e phase, mes intestins étaient déjà perforés. On ne pouvait plus rien faire pour moi. Et je crachais déjà le sang, même étant à l'université. Mes frères, après que l'ange est apparu et que nous avons prié pour les maladies, quand je me suis retourné sur Abidjan, je n'avais pas assez de souffle, je ne pouvais même pas faire peut-être une distance de même 50 mètres. Mais quand je suis revenu, frère, je marche de longues distances. Et quand je crache, aucun sang ne tombe. Acclamons. Let's clap. Les semeurs acclament. SOS clap. Et frère, les enfants acclament. Les children clap. Frère, pour gêner, c'était un problème pour moi. Mais aujourd'hui, les frères avec qui j'étais m'ont dit, frère Ange, tu ne vas pas manger quelque chose. Je leur ai dit non, je suis dans le jeûne. Il dit, ah bon, donc tu es dans le jeûne. Je leur ai répondu oui. Frère, je dis infiniment merci au Seigneur Jésus-Christ qui m'a guéri totalement de la fièvre typhoïde. Que son nom soit béni. Amen. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Nous allons lire dans les Saintes Écritures. We are going to read the Holy Scriptures. Jérémie chapitre 2. Jeremiah chapter 2. Versets 19 à 20. From verse 19 to 20. Et si tu es là pour la première fois, si tu es un invité, tiens-toi debout, il faut que je te bénisse d'abord. If you are a guest, reserve, let me bless you before. Nous allons parler des choses spirituelles. We are going to talk about spiritual things. Et il faut que Dieu te donne l'intelligence. Then God must give you the intelligence. Et il faut surtout que le but pour lequel il t'a fait venir soit accompli. That the purpose for which he has brought you here be accomplished. Je ne connais pas quelqu'un sur la terre I don't know anybody on earth qui n'a pas de problème. Who has no problems. Je ne connais aucun homme, aucune femme sur la terre qui veut aller à l'enfer. I don't know any woman or any man who want to go to hell. Je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui me dit, moi je veux aller à l'enfer. I've never met someone who says, I want to go to hell. Chacun veut être sauvé. Each one want to be saved. Les familles prient même pour les parents qui sont morts. Pourquoi? Ils veulent que Dieu les enlève du séjour de mort et les accepte au ciel. Families even prayed for the dead people. Why? Because they want God to remove them from Hades and bring them to heaven. Donc, là où tu es là, so, where you are, tu es sage. You are wise. En répondant déjà à cette invitation, by responding to this invitation, tu ne peux plus être le même. You cannot be the same anymore. Et Dieu va prendre ta présence ici au sérieux. God will take seriously your presence here. Et nous-mêmes, en tant que ses serviteurs, as his servants, nous prenons ta présence au sérieux. We take seriously your presence. Donc que les frères lèvent la main. So may the brethren raise up their hands. Demandez que la grâce de Dieu, ask the grace of God, descende sur chaque invité. Come down upon each one of them. Que la faveur de Dieu, may the favor of God, descende sur chaque invité. Bestow upon each invité. Et que chacun en rentrant, so that each one going home, rentre avec des actions de grâce dans sa bouche, sur ses lèvres. Going with thanksgiving in his mouth, on his lips. Prions ensemble. Let's pray together. Oh Père, bénis ces enfants. Oh Father, bless those children. Oh Père, bénis ces enfants. Oh Father, bless these children. Eux qui ont accepté. Those who accepted. De mettre ces moments à part. To put this moment aside. Pour répondre à cette invitation. To answer to this invitation. Que les desseins de ton cœur soient accomplis. May the purposes of your heart be accomplished. Que le but pour lequel tu les as fait venir soit accompli. May the purpose for which you have brought here be accomplished. Que chacun rentre ce soir. So that each of you go home this evening. Avec les actions de grâce dans sa bouche. With thanksgivings in his mouth. Avec des louanges sur ses lèvres. With praise on his lips. Oh Père, fais-le au nom de Jésus-Christ. Oh Father, do it in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Please be seated. Lis ce passage. Read that passage. Jérémie chapitre 2, les versets 19 et 20. Je lis la parole de Dieu. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Verset 20. Tu as dès longtemps brisé ton joug, rompu tes liens, et tu as dit, je ne veux plus être dans la servitude. Mais sur toute colline élevée et sous tout arbre vert, tu t'es courbé comme une prostituée. Amen. Dieu est très sensible. God is very sensitive. À tout ce qu'on fait contre lui. To all that you do against him. Quand les gens l'abandonnent, when people abandon him, pour aller se prosterner devant des objets, to go and bow to objects, pour aller donner l'argent aux marabouts, to go and give money to fetish priests, en disant consulte le fétiche pour nous. Say consult the fetish for us. Dieu dit que c'est une grande méchanceté. God says it's a great weakness. Relis le verset. Read again the verse. Jérémie chapitre 2, verset 19. Ta méchanceté te châtira et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Tu abandonnes le Seigneur. You abandon the Lord. C'est une chose très mauvaise. It is a serious wicked thing. Très mauvaise. Very wicked. Et il dit, ça va te suivre. And he said, we follow you up. Tu ne peux pas abandonner Dieu. You cannot abandon God. Et être heureux. And be happy. Les gens peuvent te tromper. People can deceive you. Que chacun a son Dieu, chacun a son Dieu. Each one has God, each one has God. Non, il y a un seul Dieu qui a créé toute la terre, qui a créé les cieux, qui a créé la terre, avec tout ce qui s'y trouve. No, there's only one God who created heaven, everything, and all that we find on it. Il est ton père. He is your father. Tu dois le servir. You must serve him. Lire verset 23 à 24. Read verse 23 and 24. Jérémie chapitre 2, les versets 23 et 24. Verset 23. Comment dirais-tu? Je ne me suis point souillé. Je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course, légère et vagabonde. Ânesse sauvage, habituée au désert, haletante dans l'ardeur de sa passion, qui l'empêchera de satisfaire son désir. Tous ceux qui la cherchent n'ont pas à se fatiguer. Ils la trouvent pendant son mois. Amen. Dieu dit, God says, qu'il te voit, tout ce que tu fais, il te voit. Then he sees you. Everything that you do, he sees you. Et il dit, il y a des gens qui disent, moi je suis bien, je vais à l'église. And there are some people who have been saying, hi, I'm good, I go to church. Moi je prie. I pray. Je lis la Bible. I read the Bible. Moi, je ne suis pas un idolâtre. I don't worship. Je n'adore pas les fétiches. I don't worship fetish. Dieu dit, God says, regarde, look at tes pas, your footsteps dans la vallée. In the valley. Quand tu allais. When you were going. Si tu regardes derrière toi. If you look at beyond you. Il dit, ça, qui marchait comme ça, c'est pas toi. You are working like that. Is it not you? Il dit, je t'ai vu. He said, I saw you. Quand tu allais. When you were going. Commettre l'adultère. Committing adultery. Tu as laissé les traces dans le sable. You left traces. Et tes empreintes te trahissent. Your marks betrayed you. Relis le verset 23. Read again verse 23. Mais, cher ami, Dieu prend les hommes au sérieux et il prend leur attitude envers lui au sérieux. God take people seriously and they also take their attitude seriously. Lis. Read. Jérémie chapitre 2, le verset 23. Comment dirais-tu? Je ne me suis point souillé. Je ne suis point allé après les balles. Regarde tes pas dans la vallée. Reconnais ce que tu as fait. Dromadaire à la course légère et vagabonde. Amen. Regarde. Look at. Regarde tes amis. Look at your friends. Qui est ton ami? Who is your friend? Les soulards. Drunkards. Qui est ton ami? Who is your friend? Les prostituées. Prostitutes. Tu dis que tu m'aimes. You say that you love me. Mais regarde tes œuvres. But look at your deeds. Regarde tes pas, regarde tes fréquentations. Look at your footsteps. Oh, regarde ce que tu fais, regarde ce que tu fais. Look at what regarde you do. Look at what you do. Look at what you regarde do. Ce que tu fais. Look at what you do. Et arrête. And stop. De te tromper. Of deceiving yourself. Et de penser que je peux me tromper. And you thinking that you are deceiving yourself. Il dit dromadaire la course vagabond. Tu es léger. Quand tu dois pécher là, tu es rapide, tu es zélé. You are light when you sin, you are zealous. Si tu détestes quelqu'un, tu vas le détester jusqu'à ce que tu tombes malade. If you hate someone, you hate him until you become ill. Parfois tu mens, tu ne sais même pas pourquoi tu as menti. Sometimes you lie, you don't even know why you lie. Et toutes ces choses-là sont dans ta vie. And all the things are in your life. Il dit dromadaire à la course vagabond. C'est a light walk. Tu vas ici, tu vas là. La course vagabond. Tu es là. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Oh, what are you looking for? Dieu te regarde. God looks at you. Il dit, regarde ce vague, regarde. He said, look at. Il a jamais, il a Trècheville, il a Katura, il est ici. Il n'a jamais une Katura, une Trècheville. Il goes here, he goes here. Il va dans ce camp de prière, il va dans l'autre. He goes in that prayer camp, he goes to another prayer camp. Il court chez tel prophète. he runs. Il va chez le prêtre. So he goes to the priest. Il va chez le marabout. Then after that he goes to the fetish priest. Après il dit j'aime Dieu. After that he says I love God. Ce n'est pas possible. It is not possible. Lis Jérémie 2 verset 18. Read Jeremiah 2 verse 18. 17 et 18. Sorry, 17 and verse 18. Jérémie chapitre 2, les versets 17 et 18. Je lis la parole de Dieu. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Verset 18. Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Amen. Tes problèmes. Your problems. Arrive, ce qui t'arrive là. So justify what happened to you. T'arrive parce que tu as abandonné l'Éternel. Things happen to you because you abandoned God. On prêchait l'évangile dans une ville. You are preaching the gospel in a city. Et quelqu'un s'est levé. And someone rose up. Il a dit, je veux rendre témoignage. He said, I want to testify. Il dit, mes frères. He said, brethren. Là où vous me voyez. As you see me here. J'ai occupé des grands postes. I used to have big posts. Des postes de responsabilité. Posts of responsibility. Il y avait le pétrole. There were fuel. Et il y avait des missions. There were missions. J'ai dit directeur ici, directeur là. Be a director here, be the director here. Il dit. He said. L'alcool. He said alcohol. A tout raflé. Took all. L'alcool. Alcohol. Il dit, regardez comment je suis habillé. He said, look at the way I'm dressed. Et il était habillé pauvrement. And he was dressed poorly. Il dit, l'alcool a tout bouffé. He said, alcohol took everything. Beaucoup d'entre vous. Many of you. Ont été ruinés par l'alcool. Were ruined by alcohol. L'alcool prend tout le budget. Alcohol takes all the budget. Les enfants ne vont pas à l'école. Children do not go to school. L'alcool a tout pris. Alcohol takes all. Quand ils tombent malades même. When they fall sick. Ils n'ont pas d'argent pour se soigner. They don't have money to go to hospital. L'alcool a tout pris. Alcohol takes all. Les féticheurs ont tout pris. Fetish priests took all. Apporte la dent du caïman. Bring the thief. Apporte un poulet rouge. Bring a red chick. Va jeter au cimetière. Go and put it at the cemetery. Va à la lagune. Go to the lagoon. Dieu t'a vu. God saw you. Et dit après tu te tiens là. I said after that you stand there. Tu dis j'aime Dieu. You say I love God. Je suis à la chorale. I sing in the choir. Je suis diacre. I'm a deacon. Et quand tu vois les vrais chrétiens. And when you see true Christians. Tu les insultes. You insult them. Tu fais comme les pharisiens. You make like Pharisees. Ils ont fait ça. They did this jusqu'à tuer Jésus. Until they killed Jesus. Ils ont tué le maître. They killed the master. Ils ont tué le prince de la paix. They killed the prince of peace. Ils ont tué celui que le Père a envoyé pour résoudre les problèmes. They killed the one that the Father sent to solve their problems. Lis pour nous Jean chapitre 8 verset 24. Read John 8 verse 24. Jean chapitre 8 le verset 24. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Lis Jean 3 verset 16. Read John 3 verse 16. Jean chapitre 3 le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Je vais vous dire quelque chose. I will tell you something. Vous voyez, tout ce que je viens de dire, all that I've just said, c'est horrible. It's horrible. Ça fait honte. It makes you be ashamed. Ça fait mal au cœur. It is painful to your heart. Mais il y a une réalité. But there is one reality. Nous ne pouvons pas vous inviter pour vous dire que vous avez péché, Dieu va vous juger. We cannot invite to tell you that you have sinned and God will judge you. Nous vous avons invité. We invite you pour vous lire ce verset. To read to you this verse. Si vous croyez à ce verset-là, if you believe in that verse, qui vient de Dieu lui-même, which comes from God Himself, vous serez tous sauvés. You will all be saved. Relis Jean 3, verset 16. Read it again, John 3, verse 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Je lis la parole de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Dieu t'aime. God loves you. Si je te dis le contraire, if I tell you the contrary, il va me dire d'aller m'asseoir. He asks me to go and sit down. Si je te lis l'évangile, if I read the gospel to you, sans te lire ce verset, without reading that verse to you, ce serait une faute. It would be a mistake. Quand Dieu a vu les problèmes des hommes, when God saw men's problems, quand Dieu a tendu l'oreille, when God bent his ear, pour écouter les cris des hommes, to listen to the cries of men, quand il a regardé leur souffrance dans le monde, when he looked at the sufferings in the world, leur division, their division, quand il a vu comment un sorcier mangeait ses propres enfants, when he saw how a rich can kill his own children, un frère est jaloux a contre son frère, against his brother, on lance le sort à celui qui veut prospérer. We cast a spell on the one who is to prosper. On tend les pièges sur le chemin du juste. They put trap on the way of the just. On commet les avortements. You commit abortion. On vit dans la tristesse, l'angoisse. We live in sorrow. Quand il a voulu répondre, when he wanted to answer, il a dit à son fils, he told his son, va dans le monde. Go into the world. Va sauver. Go and save. Va écraser l'auteur de ces troubles. Go and crush down the author of all those troubles. Peut-être que vous n'avez jamais médité pourquoi on chante Jésus a vaincu Satan. Certains disent ça et n'ont jamais médité. You have never meditated why we sing Jesus has overcome Satan. Some sing this song without meditating on it. Il y a une force dans le monde. There's a force in the world. Une force du mal. A force of evil. Il y a une puissance. There's a power. Qui fait qu'une jeune fille peut jurer que je ne veux pas me donner aux gens. Ma virginité, c'est à mon mari. Elle jure première année, deuxième année. Après, elle-même commence à chercher. You know that a young lady can swear that I don't give myself to men. I don't give my virginity to men. I remain 1 year, 2nd year. After that, she himself starts looking at them. Quand elle revient de là, elle est déjà déshonorée, humiliée, salie, souillée. When she comes from there, she already humiliated, dirty, chargée de maladies. Full of sicknesses. Certains, il faut qu'on prie aujourd'hui que Dieu pardonne et guérisse du VIH. Et nous allons prier. We have to pray today for God to forgive and heal them from HIV. Tu as juré. You swear. Je ne veux plus me masturber. Don't you masturbate yourself anymore. Tu te masturbes. Qu'est-ce qui se passe? But you masturbate yourself. What happens? Il y a une puissance derrière. There's a power beyond. Le diable, the devil, t'excite, excites you, et tu n'as pas la force. And you don't have the strength. Dieu voit ça. God sees that. Et il dit à Jésus, and tells Jesus, va dans le monde. Go into the world. Va donner la vie pour tes frères. Go and give your life for your brothers. Va combattre les puissances du mal. Go and fight the power of evil. Va les anéantir. Go and crush them down. Et Jésus est venu. And Jesus came. Quand Jésus se révèle aux hommes, when God reveals himself, when Jesus reveals himself to men, il leur dit, Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous allez périr dans vos péchés. Relis ce verset. Read that verse again. Jean chapitre 8, verset 24. John 8, verse 24. Jean chapitre 8, le verset 24. Je lis la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Amen. Tu dois croire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. You must believe that Jesus is the way. Tu dois croire que Jésus est le pain de vie. You must believe that Jesus is the bread of life. Tu dois croire que Jésus est la lumière du monde. You must believe that Jesus is the light of the world. Tu dois croire qu'il est le bon berger. Il n'a pas caché. It's not hidden. Il s'est révélé aux hommes. He used to reveal himself to men. Il disait, je suis le fils de Dieu. I am the son of God. Il dit, je suis venu donner ma vie et pour la reprendre. He said, I've come to give my life and take it back. Il voulait dire, j'ai la capacité de mourir et de ressusciter. He wanted to say, have a capacity to die and come back to life. Il dit, je suis la résurrection. He said, I am resurrection. Il dit, si quelqu'un croit en moi, il passe de la mort à la vie. He said, if somebody believes in me, he passes from death to life. Il disait, ceux qui vont croire en lui, les fleuves d'eau vive vont couler de leurs seins. He said, those who believe in him, water will flow out of them. Et il dit, croyez à cela, croyez à cela. He said, believe that, believe that. Si vous ne croyez pas ce que je suis, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez dans vos péchés. If you don't believe what I am, you don't believe what I am. You perish in your sins. Le salut, salvation, la délivrance, deliverance, la rédemption, redemption, se trouve dans la foi en Jésus-Christ. I find the faith of Jesus Christ. Dans la foi en Jésus-Christ. In the faith in Jesus Christ. Dans la foi en Jésus-Christ. In the faith in Jesus Christ. Et si vous ne croyez pas ce que je suis, if you don't believe in what I am, si vous ne croyez pas, if you don't believe ce que je vous dis, what I'm telling you, que je suis le chemin, that I am the way, c'est par moi qu'on passe pour atteindre Dieu. It's through me that you pass. Si vous ne croyez pas, if you don't believe, que je suis le bon berger, that I am the good shepherd, c'est moi qui peux vous amener là où il y a le bon pâturage. I am the one who can send you where you are. Là où il y a les sources d'eau vive. Il disait que si quelqu'un passe par lui, il va passer, il va trouver le pâturage, il va ressortir. Si le diable te trompe, tu tombes dans les pièges et tu ne peux plus sortir. Quand vous écoutez les témoignages, j'étais enfermé dans un trou, j'étais enfermé, c'est ça l'envoûtement. I was in prison, in a hole. This is called bewitchment. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. En plus des péchés que vous connaissez, in addition to sins that you commit, vous êtes dans les liens d'envoûtement. In the ties of bewitchment. Et qu'est-ce que Jésus a dit? And what did Jesus say? Si le Fils, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. If the Son set you free, you will be really free. Jésus-Christ. Jesus Christ. C'est très bien. Knows well, well, que tu as la volonté, that you have the will, mais tu ne peux rien faire. That you can't do anything. Essaie de jurer que tu ne vas plus mentir. Tu vas te retrouver dans le mensonge. Try to swear that you don't lie anymore. You find yourself lying. Si l'esprit de Jésus, but if the spirit of Jesus, entre en toi, enters you, tu seras une nouvelle personne. You'll be a new person. Il a dit dans Ézéchiel, he said in Ezekiel, je vous donnerai des cœurs nouveaux. I will give you new hearts. Quand Jésus va te toucher, when Jesus will touch you, il va enlever le cœur noir. You remove the dark heart. Il appelle ça le cœur de pierre. He call the stone heart. Il va te donner un nouveau cœur. He will give you a new heart. Un cœur de compassion. A heart of compassion. Un cœur de paix et d'amour. A heart of peace and love. Tu ne seras plus la même personne. You will not be the same person anymore. Il a dit, je vous donnerai un esprit nouveau. So I will give you a new spirit. Ton esprit est noir, sale. Your spirit is dark, dirty. Tu as des mauvaises pensées. You are evil thoughts. Tu es incapable de penser du bien. You are incapable of thinking of good. Tu commences. You start. Mais tu sombres. But you finish. Jésus-Christ. Jesus Christ. Va changer ton esprit. You change your spirit. Et il ne va pas s'arrêter là. And we don't stop there. Il a dit. He says. Je mettrai mon esprit en vous. I put my spirit in you. Jésus donne l'esprit d'obéissance. Jesus gave a spirit of obedience. Jesus Christ. Il n'a pas changé. He has not changed. Il n'a pas changé. He has not changed. Il disait. He was saying. Quand il était sur la terre. When he was on earth. Venez à moi. Come to me. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. All that we are heavy. Je vous donnerai le repos. I will give you rest. Vous voyez? Can you see? Une invitation d'un berger. The invitation of a shepherd. Le berger éternel. The eternal shepherd. Venez à moi. Come to me. Venez à moi. Come to me. Avec les fardeaux. With burdens. Venez avec vos craintes, vos peurs, vos angoisses. Come with your fear, your trouble and your worries. Viens avec tes déceptions. Come with your disappointments. Viens avec tes souffrances. Come with your sufferings. Viens avec tes liens. Come with your ties. Je veux te libérer. I will release you. Jésus te dit. Jesus is telling you. Mon fils. My son. Ma fille. My daughter. Viens. Come. Viens. Come. Je veux t'affranchir. I will set you free. Je veux t'affranchir. I will set you free. Je me souviens. I remember. En 81. In 1981. Quand on m'avait prêché cet évangile. When I was preached that gospel. Un jour. One day. J'ai dit. I said. Il faut que je donne ma vie à Jésus. How to give my life to Jesus. Je me suis mis à genoux. I knelt down. Je n'ai pas pu prier. I couldn't pray. J'étais incapable de donner la vie à Jésus. I was incapable of giving my life to Jesus. Je me suis mis à genoux une autre fois. I knelt down another time. Je n'ai pas pu donner ma vie à Jésus. I couldn't give my life to Jesus. Je croyais que c'était une petite affaire, d'une décision humaine. I was thinking it was a small matter, a human decision. La troisième fois, j'ai voulu le faire. C'était difficile. Je ne pouvais pas ouvrir la bouche. J'ai regardé les péchés et dit, un lycéen qui ne touche pas aux filles, qui ne triche pas. Non. I look at the sin and say, a grammar student who don't commit sins, who don't sleep with ladies. Et puis, qui ne boit pas la bière. And he doesn't drink beer. Qui ne danse pas le makossa. And he doesn't dance makossa. Parce que je suis de nationalité camerounaise. Because my nationality is Cameroon. I'm a Cameroonian. Et Dieu m'a parlé la troisième fois. And God spoke to me at the third time. Il dit Boniface. He said Boniface. J'étais seul. I was alone. Tu te mets à genoux trois fois. You kneel down three times. Tu n'arrives pas à prier à cause du péché. You cannot pray because of sins. Chers amis, dear friends, j'étais là. I was there. Je ne pouvais pas sortir. I could not come out. La voix que j'entendais était la voix de Dieu lui-même. The voice that I heard was the voice of God Himself. Mais j'étais faible. But I was weak. J'ai écarté mes jambes. I opened my feet. J'ai levé mes deux mains. I raised up my two hands. J'ai dit, oh Dieu, I said, oh God, je suis entre toi et le diable. I am between you and the devil. Si tu es fort, tire-moi. If you are strong, drag me. Offrande d'acclamation. Cap offering. Mais j'aimerais ajouter une chose. But I wanted to add something. Je ne défiais pas Dieu. I was not defying God. J'aimais Dieu depuis mon enfance. Quand on dit Dieu là, mon cœur est content. I used to love God since my childhood. What is about God matter? I was happy. Mais la faiblesse. But weakness. Comment faire? How to manage? Pour être bon. To be good. Je n'avais pas de solution. I did not have any solution. Un jour. One day. En septembre. In September. J'ai pris la résolution. I took the decision de donner ma vie à Jésus. Of giving my life to Jesus. Je me suis mis à genoux. I knelt down. J'ai levé mes deux mains. I raised my two hands. La première phrase. The first sentence. J'ai dit, oh Dieu. I said, oh God. Je viens. I'm coming. Première phrase. First sentence. Les autres, c'était pardonne-moi tel péché, pardonne-moi tel péché, pardonne-moi tel péché. That offense was just forgive me my sin, forgive me that sin. Et puis, je ne suis plus sorti. Il était environ 19 à 20 heures. Then I didn't come out till around 7 p.m. Les amis passaient J'entendais Boniface, où est-il tout ça? J'étais couché calmement. My friend, we're going. I heard Boniface. I was lying down calmly. Dans la nuit. In the night. La première vision de ma vie spirituelle. The first vision of my spiritual life. J'allais quelque part. I was going somewhere. Et puis je vois un esprit devant moi. And I saw a spirit before me. Il ne me touchait pas. He didn't touch me. Je voulais me détourner à gauche. I wanted to turn on my right, on my left. Gauche. Et il went to my left. Je me suis dit bon, à droite maintenant. I said okay, let's go to right now. À droite. He went to the right side. Je vais essayer devant, il passe devant. I wanted to go front, he went front. Une vision claire, sans confusion. C'est pas que quand on mangeait beaucoup la tchéké, on a des cauchemars, non. A clear vision without no confusion. It's not like when you used to match a tchéké, you have nightmares. Et soudain, and suddenly, je me suis retrouvé avec un marteau. And I found myself there with something. Dans ma main droite. In my right hand. Et j'avais une intuition. L'intuition, c'est une connaissance qu'on n'a pas transmise par les oreilles. C'est-à-dire, tu as le cœur comprend ce que tu dois faire. And having intuition is something that you don't understand. That's why the heart understands. Dans l'intuition, je devais frapper. With my intuition, I had to strike it. Et j'ai asséné un coup de marteau. Boum. And I give you one knock. Boom. Il s'est écoulé avec un grand bruit. Brrr. And he fell down with a big shout. Jésus-Christ. Jesus Christ. Et puis, j'entends. I heard. Il y avait une voix qui venait légèrement derrière moi, mais en haut. There's a light voice that comes lightly behind me, but from above. La voix dit. The voice said. Enfin, il l'a eu. He said, at last, he has won. Et puis, je me suis retourné. Then I turned. J'ai vu les frères qui m'avaient prêché l'évangile. Ils étaient réunis. I saw the men who preached the government who were governing. Ils étaient environ 100 mètres. They were around 100 meters from me. Et j'ai vu le dirigeant. Je connais. Il avait un ensemble. Je l'ai reconnu. Un ensemble de couleur beige. I saw the leader. It was clove, and the clove which was green. I saw it. I recognized it. J'allais vers eux en courant. I was going towards them by running. Et je me suis réveillé. And I woke up. Jésus-Christ. Jesus Christ. Cher ami, dear friends, quand je me suis réveillé, when I woke up, j'étais fort. I was strong dans la tête, in my mind, parce que avant, before, quand je vois une petite lycéenne, when I see a small girl, je sens l'attraction, I feel the attraction. Quand je me suis réveillé. When I woke up, pas d'amour pour le Makossa, pas d'attraction, pas de. No love for Makossa, no love, no attraction. C'est fini. It was finished. Je vous dis la vérité. I'm telling the truth. Ça va t'arriver. It will happen to you. Et il faut que ça t'arrive. It must happen to you. 1981. 1981. 2021. 2021. J'ai fini au lycée. I finished my school. Je suis allé à l'université. Avec grammar school, I went to university. J'ai travaillé. I worked. J'ai démissionné. I resigned. Pour devenir missionnaire. To become a missionary. Je persévère. And I persevere. Acclamation à Jésus-Christ. Clapping to Jesus Christ. Acclamation à Jésus-Christ. Clapping to Jesus Christ. Et puis je me suis dit. And I told myself, donc, si j'avais donné ma vie dès le premier jour, j'allais remporter la victoire depuis. If I had given my life to the first time, I would have won the victory of Jesus Christ. J'avais peur pour rien. I was afraid for nothing. Je croyais que la bière allait me faire tomber. I was afraid that drinking a beer would make me fall. Et que l'immoralité allait me faire tomber. The immorality would make me fall. Jésus donne la puissance. Jesus Christ gives power. Jésus donne la puissance. Jesus gives power. Si dans l'office vous affranchis, vous serez réellement libre. If then the Son set you free, you will be really free. Oh cher ami. Oh dear friend. Faut-il te flatter pour que tu donnes ta vie à Jésus? Don't be Est-ce que tu as besoin de flatterie pour donner ta vie à Jésus? Je refuse de te flatter. I refuse to be lied. Mais je te dis, but I'm telling you, donne ta vie maintenant. Give your life now. Et si tu es d'accord, tu lèves ta main. If you agree, raise up your hand. Et si tu lèves ta main, tu me suis ici. And if you raise up your hand, then you follow me here. Vous allez faire la profession de foi. Venez, tous cela, venez. You, all of you, come. Venez. Come. Venez. Come. Venez. Come. Faut-il te flatter pour que tu donnes ta vie à Jésus? You need flattery to you love to Jesus. Il est ton Seigneur et ton Dieu. He's your Lord and your God. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi partout où tu te trouves. Stand up, everywhere you find yourself. Jésus t'appelle à lui. Jesus is calling you to you. Jésus t'appelle à lui. Jesus is calling you to him. Jésus t'appelle à lui. Jesus is calling you to him. Jésus t'appelle à lui. Jésus t'appelle à lui. Jesus is calling you to him. Jésus t'appelle à lui. Jésus t'appelle à lui. Jesus is calling you to him. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Lève-toi et viens, lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Libère-toi des chaînes du diable. Libère-toi des chaînes du diable. Libère-toi, libère-toi. Libère-toi, libère-toi. Des chaînes du diable, des chaînes du diable. Acclamation à Jésus-Christ. 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 Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Le Seigneur a vu tes pas dans le désert. Le Seigneur a vu tes pas dans le désert. Ta vie est exposée. Ta vie est exposée. Your life is exposed. Tu dois donner ta vie à Jésus. Must give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Must give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Must give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Must give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Must give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Must give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Must give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Must give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Must give your life to Jesus. Tu dois donner ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Il dit, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas périr dans tes péchés. C'est un message clair. Tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu péris dans tes problèmes. Lis pour nous Osée chapitre 13 verset 9. Osée 13 verset 9. Si tu es rétrograde, ne perds pas le temps, lève-toi, tu vas en même temps. Dès que si tu sais qu'il y a un problème entre toi et Dieu, va devant Jésus et là pour toi. If you know there's a problem between you and Jesus, and go forward. Rapidement. Quickly. Lis le passage. Osée chapitre 13, le verset 9. Ce qui cause ta ruine, Israël, c'est que tu as été contre moi, contre celui qui pouvait te secourir. Amen. Oui, lève-toi et va devant. Yes, rise up and go front. Jesus Christ. Dieu dit. God says. Ce qui cause ta ruine. What causes your ruin? C'est que tu es contre lui. You are against him. Ton vrai problème, your real problem, n'est pas ta maladie. It's not your sickness. C'est que tu es contre Jésus. Is that you are against Jesus. La solution de Dieu pour toi. Tu es contre la solution de Dieu pour toi. You are against the solution of God for you. C'est ça qui va te ruiner. What is going to ruin you? Ton problème n'est pas le démon. Your problem is not the demon. Ton malheur viendra. Your unhappiness will come. Du fait que tu as rejeté le Seigneur Jésus. By the fact that you have rejected Jesus. It is ce qui cause ta ruine, Israël. He said, what causes your ruin, Israel? Que tu as été contre moi. He said, you have been against me. Contre celui qui doit te secourir. Against the one who can rescue you. Lève-toi et viens. Rise up and come. Si le diable te dit, tu es ma fille, tu es mon fils, restons encore un peu. Dis-lui, Satan, tu mens. If the devil tells you, you are my son or my daughter, et tu te lèves. Tell me, Satan, you are a liar. And stand up and come. Qu'aucun démon ne te trompe. Should no demon deceive you. En disant, restons encore un peu. So, let's be friends again. Que tu vas faire ça le soir à la maison. And that you accept today. Ça doit être ici, ici, maintenant, maintenant. It must be here, here, now, now. Acclamez, acclamez, Jésus est en train de travailler. Clap, clap. Lève-toi et viens au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et viens au nom de Jésus-Christ. Jésus a dit, ce qui cause ta ruine, c'est que tu es contre lui. Tu es contre Jésus. C'est ça qui cause ta ruine. Venez pécheurs, il vous a. Oui, allez devant, allez devant. Yes, go forward, go front. Allez devant, allez devant. Yes, go front, go front. Venez devant, venez devant. Yes, come front, come front. Venez, venez, venez devant. Come, come, come front. Venez rapidement parce que nous avons la prière à faire. Come, come quickly because we are going to pray. Rapidement. Quickly. Le temps s'enfuit, l'heure s'écoule. Rapidement, rapidement. Quickly, quickly. Je suis à la porte et je frappe. I have a door, knocking. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je souperai avec lui. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. I will get dinner with him. Quand nous appuyons sur ton. Nous allons prier maintenant. We are going to pray now. Vous qui êtes devant là. You are in front of here. Quand on va vous demander, vous avez cru quand? When they ask you, when did you believe? Vous êtes là devant les anges, comme des témoins au ciel. Vous êtes là devant les hommes. Like our witnesses in heaven and before others. Vous êtes en train de glorifier Jésus-Christ. You are giving praise to Jesus. Vous êtes en train de dire à Satan, ne nous touche plus. You are telling Satan, don't touch us anymore. Nous nous donnons nous-mêmes à Jésus. We give ourselves to Jesus. Personne ne nous oblige. No one obliges us. Et Dieu tient compte de cette décision-là. And God considers those decisions. Et si quelqu'un doit venir, qu'il vienne maintenant, maintenant. If someone has to come, should come now, now. Parce que si tu refuses Jésus, because if you refuse Jesus, tu peux même déjà rentrer. You can even go home. Parce que celui qui dit non à Jésus dit non à Dieu et à tout ce qui appartient à Dieu. Because the one who says no to refuse Jesus says no to God and to all that belongs to Him. Ne dis pas que tu aimes la prière. La prière sans Jésus ne donne rien. Don't say I love prayer. Prayer without Jesus gives nothing. Venez rapidement. Come quickly. Satan. Satan. Il t'est interdit. You are forbidden. De garder une âme captive. To hold a soul, one soul back. Satan. Satan. Va-t'en et retire-toi. Be gone and withdraw yourself. Va-t'en vite. Be gone quickly. Va-t'en vite. Be gone quickly. Nous brisons ton emprise sur toute âme d'homme que tu veux retenir captive. Va-t'en vite au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui doivent déjà venir parce que dès que tu es délivré, tu te lèves. Dès que tu es léger, tu te lèves. Ça veut dire qu'un démon voulait s'asseoir sur toi. Satan, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et viens. Lève-toi et viens. Satan, va-t'en au nom de Jésus-Christ. Va-t'en, 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 va-t'en. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begone. Va-t'en, vite, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begone quickly. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begone. Que les liens de captivité soient brisés. Mais les chaînes captivité soient brisées. Soient brisées. Be broken. Lève-toi et viens. Rise up and come. Sois brisé. Be broken. Brisé. Broken. Qui d'autre doit venir? Who else must come? Vous voyez, Jésus commence déjà à délivrer même certains. Ici, Jesus a even started delivering. Arrêtez celle-là, le démon veut partir. Take air, le démon want to go. Attrapez-la rapidement. Hold air quickly. Toi qui veux rentrer avec les démons là, Jésus va te jeter dans les flammes de feu. You want to go home with demon. Jesus will throw you in the lake of fire. Tu aimes le diable. Lève-toi, tu donnes ta vie à Jésus. Si tu quittes ici avec les péchés, if you leave this place with sins, ça va te poursuivre dans le lac de feu. It will pursue until the lake of fire. Si je commence la prière, j'ai fini. Tu vas perdre. If I start praying and I finish, you lose. Lève-toi maintenant, tu dois ta vie à Jésus. Raise up now and give your life to Jesus. Je dis bien, venez maintenant. Si quelqu'un veut donner la vie à Jésus, qu'il vienne tout de suite. I say, raise up now. If someone wants to give his life to Jesus, you should come right now. Sinon, ça sera trop tard. Otherwise, it will be too late. J'insiste parce que le Saint-Esprit me dit qu'il y en a. I insist because the Holy Spirit tells me that there are still some. Lève-toi et viens. Raise up and come. 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 Seigneur Jésus-Christ. Lord Jesus Christ. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. 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 May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. May the chain be broken. May the chain be broken. Que les chaînes soient brisées. Let the chain be broken. Il y en a encore. There are still some. Le Seigneur t'appelle. The Lord is calling you. Il t'appelle. He's calling you. Va-t'en au nom de Jésus-Christ. Become the name of Jesus Christ. Esprit méchant. Wicked spirit. Et toi, pécheur méchant, and you, wicked sinner, que ton cœur soit brisé. May your heart be broken. Ton cœur de pierre soit brisé. May your stone heart be broken. Donne ta vie à Jésus. Give your life to Jesus. Tu vas abandonner l'immoralité. You will abandon immorality. Tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas abandonner. You forsake. Tu vis de ta chair, tu vends ton corps, tu vis, tu vends ton corps, ça s'arrête aujourd'hui. You live to flesh, you sell your body, you live, you sell your body, you live. You will stop it today. Tu manges ta chair. You live out of your body. Lève-toi et viens. Raise up and come. Jésus va laver ta honte. Jesus will wash your shame. Jésus va laver ta honte. Jesus will wash up your shame. Jésus va laver ta honte. Jesus will wash up your shame. Jésus va laver ta honte. Jesus will wash up your shame. Jésus va laver ta honte. Jesus will wash up your shame. Lève-toi et viens. Raise up and come. Il y a quelqu'un qui est en train de lutter dans son cœur. There is someone who is fighting within his heart. Il lui manque le courage pour se tenir debout seulement. He lacks him the courage to stand up. Lève-toi. Raise up. Si tu te tiens seulement debout, tu es délivré. If honey, you can raise up, you'll be blessed. C'était facile pour toi quand vous étiez nombreux. It was easy for you when you were numerous. Maintenant, now, tu dois te lever, tout le monde doit te voir. You have to raise up and everybody will see you. Lève-toi. Raise up. Sauve-toi. Save yourself. Même si vous êtes venus à deux, even you have come being two. Chacun prend sa décision. Each one takes his decision. Levez vos mains. Raise up your hands. Là où vous êtes, where you are, si on t'a lancé un sort, if you were bewitched, ça retourne où c'est venu. It goes back where it comes from. On dit que les sorciers volent les richesses. They said the rich steal the riches. Ils vont remettre ce qu'ils ont pris. They will restitute what they took. On dit que les sorciers volent l'intelligence. So, the rich steal intelligence. Ils vont restituer, ils vont restituer. They will restitute, they will restitute. On dit qu'ils mangent la chair. They say they eat. Et c'est vrai. The human flesh. Même s'ils t'ont avalé, ils vont te vomir. Si ils t'ont pas tué, que tu es encore là où tu es là, ils vont te vomir. If they did not kill you, and you are here, you are still alive. As you are here, they will vomit you up. Tu appartiens déjà à Jésus. You already belong to Jesus. Tu appartiens déjà à Jésus. You already belong to Jesus. Tu appartiens déjà à Jésus. You already belong to Jesus. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie. I give you my life. Pardonne mes péchés. Forgive my sins. En parole, in words, en pensée, in thoughts, et en action. And in deeds. Dis Seigneur, say, Lord, je vais te suivre. Je vais te suivre. I will follow you. Et je vais te suivre avec tes enfants. I will follow you with your children. Fini les fréquentations avec les marabouts, les féticheurs, les devins. Finish up the visit to fetish priest, to diviner. Je veux te servir. To spiritist, I want to. C'est toi le chemin. You are the way. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je crois. I believe. Que tu es le chemin. That you are the way. Je crois. I believe. Que tu es la vérité. That you are the truth. Je crois. I believe. Que tu es la vie. That you are life. Je crois. I believe. Que tu es le bon berger. That you are the good shepherd. Je crois. I believe. Que tu es la lumière. That you are life. Je crois. I believe. Que tu es le pain de vie. Je crois. Je crois. Que tu es la porte, tu es la porte. Je crois, Seigneur. I believe, Lord. Je crois, Seigneur. I believe, Lord. Je crois, Seigneur. I believe, Lord. Et je te donne ma vie. Je te donne ma vie. I give you my life. Je te donne ma vie. I give you my life. Tends ta main. Stretch out your hands here. Bénis-les. Bless them. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Bless them, bless them. Et les desseins de Dieu s'accomplissent dans leur vie. But God purposes for them will be accomplished. Oh Père. Oh Father. Que ta grâce et ta faveur soient sur eux. May your grace and favor rest upon them. Que ta grâce et ta faveur soient sur eux. May your grace and favor rest upon them. Que tes voies soient frayées devant chacun. May your way be open before them. Oh Jésus-Christ. Oh Lord Jesus Christ. Oh Jésus-Christ. Oh Jesus Christ. Transforme-les. Transform them. Transforme-les. Transform them. Change leur cœur. Change their heart. Change leur cœur. Change their heart. Donne-leur l'autorité, la victoire. Give them authority and victory. Sur le péché. Over sin. Sur le péché. Over sin. Donne-leur la victoire. Sur les péchés, donne-leur des cœurs de chair, enlève les cœurs de pierre, donne-leur un esprit nouveau, donne à chacun un esprit nouveau. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, que le Saint-Esprit leur soit donné, que le Saint-Esprit leur soit donné. Nous les séparons des maladies, nous les séparons des malédictions, nous vous 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 séparons des maladies, nous vous séparons de l'idolâtrie et des conséquences de l'idolâtrie. Que les démons, qui vous suivez s'en aille. Et les démons qui vous suivez s'en aille. Aucun démon ne vous touche plus. Aucun démon ne vous touche plus. Vous êtes des enfants de Dieu. Satan, ne les touche plus. Retire-toi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Praise the Lord. Acclamation à Jésus-Christ. Clapping to Jesus Christ. Faites-les asseoir. Faites un pas derrière, seulement vous occupez les places. Occupez les places qui sont apprêtées derrière vous. Find the chairs that I set for you. Quand Dieu va visiter pour bénir, when God you visit to bless, si tu es orgueilleux, il ne te donne rien. If you are proud, you receive nothing. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. The Bible says God resists proud men. Il fait grâce aux humbles. He gave our grace to humble. Dieu résiste aux orgueilleux. God resists proud people. Dieu va te résister. God will resist you. Dieu va te résister. God will resist you. Dieu va te résister. God will resist you. Quand tu vas lever les mains, when you raise up your hand, il va se détourner. You turn aside. Lève-toi, va devant. Raise up and go front. Lève-toi, va devant. Raise up and go forward. Ça c'est une soirée de bénédiction. This is a night of blessing. Tu ne dois pas rater ta bénédiction. You must not miss your blessing. À cause de l'incrédulité. Because of unbelief. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui était en Christ? Is there someone who was in Christ? Qui a rétrogradé? Who backslid? Qui veut revenir? Who want to come back? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans une église? Is there someone who worship? Et le Saint-Esprit lui dit, and the Holy Spirit tells him, il faut intégrer la CMCI. Join CMCI. qu'il a reçu ça clairement. Receive it clearly. Si c'est toi, lève la main. If you are the one, raise up your hand. Est-ce qu'il y a une main? Is there any hand up? Oui. Yes. Va devant, après tu me vois. Va devant, après tu me vois personnellement. After you see me personally. J'aurai un entretien avec celle-là pour 5 minutes. I have qui d'autre? Je ne veux pas les gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Who else? I don't want people who do not know what they are doing. Il y a des gens qui prient souvent, oh Seigneur, apporte-moi le réveil, montre-moi la voie. Est-ce qu'il n'y a pas des enfants dans cette ville? Et Dieu leur donne souvent des réponses. Ce sont ceux-là maintenant que je recherche. There are some people who pray, oh God, bring revival in my life, give revival in my life. I don't know your three children here. God give them answer. Pasteur Lombe, place-les là où je veux les voir rapidement à la fin. Give them places where I want to see them quickly at the end. Qui d'autre? Who else? Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Et le Saint-Esprit te dit. And the Holy Spirit is telling you. Il faut intégrer cette œuvre. Join that mission. Dieu ne donne pas les églises. God does not give churches. Dieu donne les bergers. God gives shepherds. Il a dit, he says, je vous donnerai les bergers selon mon cœur. I will give you shepherds according to my heart. Et ils vous paîtront avec sagesse et avec intelligence. He will take care of you with wisdom and intelligence. Mais les gens, but people, ils cherchaient les églises. Look for churches. Leurs yeux sont aveugles. Their eyes are blind. Dieu a dit à Corneille, God told Corneille, envoie quelqu'un appeler un homme qu'on appelle l'apôtre Pierre. C'est lui qui va te parler pour que tu sois sauvé. Send someone to call a man called Apostle Peter. He's the one who will show you how to do to be saved. Dieu sait. God knows. Que là où tu es arrivé. At the stage where you are. Il faut que tu sois là où on forme les disciples. Yeah, you need to be where you make disciples. Et il te dit. And he's telling you. Va là-bas. And go over there. Si tu dis non. If he says no. J'aime le vieux vin. I like old wine. Il va te laisser. He will leave you. Il a dit. He says. Les gens aiment le vieux vin. People like old wine. Si tu leur proposes le nouveau. If you propose them the new one. Ils disent le vieux est bon. They said the old one is good. C'est là leur problème. Is there the problem? Même quand Jésus est venu, even when Jesus Christ came, ils disent que nous on veut Moïse. He said we want Moses. Et ils ont perdu. And they lost. Qui d'autre? Who else? Nous avons besoin de pareilles personnes. We need such people. Parce qu'ils vont nous aider à travailler pour Jésus-Christ. Because they will help us work for Jesus. Certains ont même sont même des pasteurs. Some are even pastors. Viens seulement. Come only. Il y a du travail. There's work. C'est fini. Is it finished? Acclamation à Jésus-Christ. Clapping to Jesus Christ. Maintenant, lis pour nous Ézéchiel 22, chapter 22, 17 à 31. From verse 17 to verse 31. Ézéchiel chapitre 22, du verset 17 au verset 31. Je lis la parole de Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb, dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, les reins, le fer, le plomb et l'étain dans le creuset, et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai et je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle. Et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. Ses prophètes conspirent dans son sein. Comme des lions rugissants qui déchirent leur proie, ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses, ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent ma loi et profanent mes sanctuaires. Ils ne distinguent pas ce qui est saint de ce qui est profane. Ils ne font pas connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. Ils détournent les yeux de mes sabbats et je suis profané au milieu d'eux. Ses chefs sont dans son sein comme des loups qui déchirent leur proie. Ils répandent le sang, perdent les âmes pour assouvir leur cupidité. Et ces prophètes ont pour eux des enduits de plâtre, de vaines visions, des oracles menteurs. Ils disent, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, et l'Éternel ne leur a point parlé. Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, opprime le malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Verset 31. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Isaïe 59, verset 13. Isaiah 59, from verse 13 au verset 18. To verse 18. Isaïe 59, du verset 13 au verset 18. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité le cœur. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonge. Et la délivrance est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Verset 18. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. Amen. Frères bien-aimés, beloved brethren, nous allons d'abord dire merci à Jésus. We first thank the Lord Jesus. Parce que, depuis le début de cette croisade, since the beginning of that crusade, les témoignages des frères, testimonies of brethren, révèlent que Dieu est en train d'opérer des grands miracles. God is performing miracles, great miracles. Des visions qui annoncent des grandes conversions dans les familles. Visions that announce great conversion in families. Certains ont eu les mêmes visions dans les croisades précédentes. Some have the same vision in past crusades. Aujourd'hui, ils nous disent que dans notre communauté même, il y a déjà beaucoup de leurs frères de famille. Un grand nombre de leurs frères de famille est déjà converti. There are many people from their families who are converted. Des gens qui ont accepté Jésus. People who accepted Jesus. Qui ont jeûné pour leur repentance. Who fasted for their repentance. Qui se sont fait baptiser. Who got baptized. Qui ont intégré nos églises. Who joined our churches. Certains sont même ce soir ici. Some are even here this evening. Donc, les visions sur le salut ou concernant le salut sont accomplies. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? Les visions de guérison se sont accomplies. Were accomplished. Frères, brethren, nous sommes des croyants. We are believers. What we live, c'est ce que vivaient les apôtres. Is what apostles used to live. Il n'est pas difficile qu'un ange entre dans la maison des frères de notre ministère. Des vrais anges, même dans la journée. It's not difficult that two angels get into the rooms of our brethren, even in the daylight. Certains viennent arracher les maladies et s'en vont. Et les personnes guérissent. Some come and take back the diseases and they go, and people get healed. Certains ont vu les anges entrer, casser les tombes. Ils sont sortis, ils sont guéris. Some people saw angels enter, break the tombs. They came out and they woke up being ill. Et ça va vous arriver. And it will happen to you. Un frère dit qu'il priait. He was praying. Il dirigeait la prière. He was leading the prayer. Il était malade. He was sick. On lui disait que prochainement c'est la mort parce que dès que tu vomis le sang, c'est fini pour toi. They said next time you'll be deaf because as soon as you start vomiting blood, it's the end. Nous sommes en croisade. And we are in crusade. Il est allé dans sa localité. He went into his locality. Les gens l'ont vu, se disent qu'il vient d'Abidjan, donc dirige-nous. People saw him and said, okay, he comes from Abidjan, so lead us. Il s'est assis. He gets seated. Pendant qu'il conduisait les autres dans la prière, as he was leading others into prayer, il lève les yeux, un ange est tenu à la porte. He rose up his eyes and saw an angel being at the door. Certains ont compris, sauf si tu arrives en retard. Some heard, unless you came late. Il demande aux gens, vous voyez? He asked people. Ils disent non. They said no. Le résultat, il est guéri. Is healed. Que personne ne vous trompe. Jésus n'a pas changé. You know and deceive you. Jesus has not changed. Et c'est l'évangile demeure authentique. And the gospel remains authentic. Tu es sérieux avec Dieu. You are serious with God. Il sera sérieux avec toi. He will be serious with you. Il dit avec celui qui est bon, il se montre bon. He said, with the one who is good, he shows himself as a good person. Avec celui qui est pervers, il agit selon ta perversité. As someone who is perverse, he acts according to your perversity. Tu montres à Dieu que tu es malin, il va te prouver que c'est lui qui t'a créé. You show to God that you are cunning, he shows to you that you the one who created you. C'est pour ça que je vous ai dit, soyez humble. This is the reason why I told you, be humble. Est-ce que nous sommes ensemble? Are you together? C'est Jésus qui travaille. It's Jesus who works. Notre responsabilité, c'est de prier. Is to pray. Et de vous aider à prier. And to help you pray. Pour que le ciel s'ouvre au-dessus de vous. For heaven to be open upon you. Si le ciel s'ouvre, même dans ta chambre, tu vas embrasser la délivrance. Even in your room, you embrace deliverance. Je ne serai même pas là, je serai en train de dormir. I will not even be there. I will be sleeping. Quand je frappais le démon du marteau, il n'y avait aucun dirigeant. When I was striking the demon with the iron, There was no leader around me. Mais ils avaient déjà prié par la foi. But they had already prayed for me, demandant mon salut. Asking for my salvation. Quand Jésus a répondu, when Jesus answered, à la prière, to the prayers, c'est un marteau. J'ai asséné pour. I struck him pour. Le démon s'est écroulé. The demon fell down. Le démon voici devant toi. And here I am before you. Chaque année, each year, comme mourant, as a dying person, je suis toujours vivant. But I'm always alive. Comme n'ayant rien, as I have nothing, mais enrichissant plusieurs. But enriching many. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. This is how the work of God is. C'est comme ça l'œuvre de Dieu. This is how the work of God is. Dis merci à Dieu. Dis-lui que mes yeux ont vu, mes oreilles ont entendu. Say my eyes saw, my ear heard. Dis-lui que c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Say you are the one, you are the one. Dis je sais que c'est toi, je sais que c'est toi. So that I know that you are the one. Dis-lui à toi la gloire, à toi la gloire, à toi la gloire. So to you the glory, to you. À toi la gloire, à toi la gloire. To you the glory, to you. À toi l'honneur, à toi l'honneur. To you the honor. À toi la puissance, à toi la puissance. To you the power, the power. À toi la sagesse, à toi la sagesse. To you the wisdom, the wisdom. À toi, à toi, à toi, à toi. To you, to you. Continuons à prier, continuons à prier. Continue to pray. Let us continue to pray. Oh Rabakaja. Oh, c'est toi ce qui fait, c'est toi qui agis. C'est ta main, c'est ta main. C'est ta puissance, c'est ta puissance. C'est ton amour, c'est ton amour. Tes compassions, tes compassions. Sans tes compassions, ce sont tes compassions. Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ. Toute la louange et toute la gloire. All the praise, toute la louange et toute la gloire, toute la louange et toute la gloire. All the praise, all the glory, all the praise, all the glory. Que les semaines nous entonnent un chant d'action de grâce. Toute la communauté va chanter, toute l'assemblée va chanter. The whole assembly will sing. Toute l'assemblée va chanter. The whole assembly will sing. Vous allez, on va adorer le Seigneur d'abord. You worship the Lord first. On va dire qu'il est bon, qu'il est compatissant, miséricordieux. You say that is good, is full of compassion. Nous devons montrer que nous savons que c'est lui qui nous aime. You have to show that is the one who loves us. Tenons-nous debout. Let's stand up. Transformé Jésus que ça monte jusqu'au ciel. Je veux t'adorer toute ma vie. Tu libères ton âme en contemplation. Nous qui étions des captifs. Tu regardes cette meuf toute puissante. Errant dans ce monde sans Dieu et sans but, sans droit d'être cité. Nous avons donné toutes nos vies à tes pieds pour t'adorer toutes nos vies. Merci pour les âmes délivrées, pour les villages qui sont délivrés. Oh Jésus, je veux t'adorer toute ma vie. Pour ta présence parmi nous, pour ta bonté, ta compassion, ta miséricorde. Jésus, Jésus, je veux t'adorer toute ma vie. Merci. Toi qui nous as aimés le premier, merci. Toi qui as guéri nos maladies incurables, Jésus, comment ne pas te louer? Je veux t'adorer toute ma vie. Merci. Tu nous as délivrés de nos liens. Tu descends dans les maisons pour guérir, Jésus. Oh, je veux t'adorer. Tu brises tous nos prisons pour délivrer ceux qui sont captifs, Jésus. Oh, je veux t'adorer toute ma vie. Merci. Nous qui étions malheureux, remplis de confusion, Seigneur, à cause des démons qui avaient raison de nous. Ta main puissante nous a rachetés et nous a délivrés. Je veux t'adorer. Toi qui mérites la gloire, tu mérites l'honneur, tu mérites l'adoration. Oh Jésus, je veux t'adorer. Tu nous délivres de fausses sceptiques, Seigneur. Tu nous délivres de toute forme d'envoûtement, Seigneur. Oh, si ce n'est toi, qui d'autre pouvait nous délivrer? Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es digne d'être célébré, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Nous avons et nous t'avons trouvé. Seigneur Jésus, merci. Oh, le roi des rois, Jésus. Que toute l'assemblée adore le Seigneur. Je veux t'adorer. Toute l'assemblée exalte le Seigneur. Oh, l'assemblée. Pour tes grands bienfaits dans nos vies. Toute l'assemblée exalte le Seigneur. Des délivrances, des saluts, Seigneur. Toute l'assemblée adore le Seigneur. Oh, 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 t'adorer toute ma vie. Mais nos familles qui sont sauvées par milliers, les faux dieux sont renversés. Jésus, je veux t'adorer toute ma vie. Merci, le roi des rois, oh, le prince de paix. Oh, de ma vie. Continuez à adorer le Seigneur, continuez à adorer le Seigneur. To worship the Lord, continue to worship the Lord. À lui la louange, à lui la gloire. À lui la magnificence, à lui la magnificence. To you the praise. Au siècle des siècles. From century to century. Ora baka jor baka baka jor baka goba jer baka ora baka jor baka goba jer baka ora baka jor baka la basaba kere baltara bashara lore dal basama ikama seme karama seme ora bala baseba karama seba karama se karama se karabake lore dal basema karama la basema na assieds-toi, tu gardes le silence. Be seated and keep silent. Merci Seigneur. Thank you Lord. Dis merci Seigneur Jésus. Thank you Lord Jesus. Frères, brethren, le Seigneur est en train de nous former. The Lord is training us. Nous verrons des grandes choses. We will see great things. Le Seigneur Jésus, the Lord Jesus, veut que tu saches, wants you to know, qu'il n'a pas changé. That he has not changed. Quand nous prions, when you pray, prions avec assurance. Let us pray with assurance. Prions avec foi. Let us pray with faith. Ne cherchez pas les visions. Don't look for visions. Les visions, même que les autres ont, on n'a pas demandé les visions à Jésus. The vision that even some have, you did not ask vision from Jesus. C'est lui-même qui donne comme cadeau. He himself who gives as gifts. Pour nous encourager. To encourage us. Il n'a pas besoin de donner ça à chacun. He doesn't need to give it to everybody. Quand un démon se manifeste, when a demon manifests itself, ne pense pas que c'est le seul démon. Don't think that it is the only demon. Les démons qui fuient sans se manifester, c'est des milliers. Certains les ont vus en vision en partant comme une foule pour aller tomber dans des gouffres. Some saw them vision going like a crowd to fall into a pit. Tu peux te dire là que mais moi je ne tombe pas. Ce n'est pas tout le monde qui tombe. You can tell yourself, I don't fall. It's not everybody that falls. Beaucoup de frères ont rendu témoignage que beaucoup de sœurs et frères qu'ils ont vu une femme sortir d'elle. Est-ce que sans crier même, elles ont vu. Dieu a ouvert leurs yeux. Ils ont vu un être sortir et s'enfuir. Many brethren, men and sisters gave the testimony, they saw a woman come out of them. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vu, pendant qu'il prie pour la, on prie pour la devant, il voit quelqu'un qui sort de lui ou d'elle, lève la main. Is someone who has seen when you pray, a demon come out of her? Vous voyez ces mains là? Can you see those hands? Ce ne sont pas des fables. These are not fable stories. C'est des réalités. They are realities. Certains esprits de mort, dès qu'on commande là, ils détalent. Some spirit of death, as soon as you start, they run away. Sans que tu le saches. Without you to know them, to know that. Quelqu'un peut avoir même 12 démons. Somebody can even have 12 demons. 10 peuvent partir sans crier. 10 can go without crying. C'est quand les autres, les deux autres restent sans soutien, là, ils commencent à dire, je vais la tuer, je vais la tuer. Is one of the two others who remain without support that they shout, I want to kill you, I want to kill you. Et on le chasse et il s'en va. And they cast them out and they go. Parfois il dit, je ne pars pas, je ne pars pas. Sometimes he say, I don't go, I don't go. Après quelques minutes, il dit, votre Dieu est fort. After some minutes, he say, your God is powerful. Donc, ayons la foi. So let us have faith. Ne sois pas charnel. Don't be carnal. Si Dieu envoie les anges, if God sends angels. Et où est le frère Angelo? Je l'ai vu là. Where is brother Angelo? I saw him. Viens glorifier Jésus ici. Tu restes là-bas comme si tu n'as jamais vu la gloire de Dieu. Come and glorify the Lord here. You remain over there as if you have never seen the hand of God. Avant qu'on ne prie, écoutez, ce frère, il est un Ivoirien, sauf si je me trompe. Oh. Yes, before we pray, listen, that brother is an Ivoirien, unless I'm mistaken. Il s'est marié. He got married. C'est un philosophe. He's a philosopher. Mais il a vu Jésus de Nazareth. But he saw Jesus of Nazareth. Je dis ça pour ceux qui n'ont jamais écouté son témoignage. I'm saying that for those who have never listened to his testimony. C'est pour que tu crois. It's for you to believe. Que même si c'est le cancer. Even if it's cancer. Jésus lui-même peut t'opérer. Écoutez ce qu'il va dire. Jesus himself can operate you. Listen to what he's going to say. Hallelujah! Hallelujah! Jésus guérit, Jésus délivre. Hallelujah! Je suis le frère Edjem Esso Angelo. J'ai cru à Dabou en 2006, précisément le mercredi 22 février 2006. Avant de donner ma vie à Jésus, j'étais encore petit. Et des amis et moi, nous allions au Banco. C'est sur la voie de Yopougon. Et c'est là-bas souvent nous l'avons. Et un jour, pendant que nous étions arrivés, mes amis ont plongé dans le même endroit que mes amis ont plongé. Moi aussi j'ai plongé, mais j'ai tapé un caillou au même endroit. Et je suis sorti, j'ai crié, aïe, je sors, j'ai tapé un caillou. Au même endroit mes amis ont plongé. Et j'avais extrêmement mal. Donc j'ai demandé à mes amis, à mes camarades, de m'accompagner à la maison. Et après ce moment-là, j'ai commencé à tomber malade de façon fréquente. À un certain moment, les membres de ma famille disaient que j'étais un sorcier. Pourquoi? Parce que quand je suis malade, on m'envoie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai guéri. On ne trouve pas de maladie. Je me sens bien. Dès qu'on arrive à la maison, je suis malade encore. Donc on disait que j'étais venu créer la pauvreté, j'étais venu gaspiller l'argent des gens dans la maladie. Et c'est comme ça que j'étais fréquemment malade. Jusqu'à ce que je rencontre l'évangile, que je donne ma vie à Jésus. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, comme j'ai précisé le mercredi 22 février 2006. J'étais en classe de terminale. Nous étions, avant ça, on avait préparé mon brisement de liens. Première fois, Mon brisement de liens a été préparé, le cahier a été préparé, j'étais rentré dans le jeûne, le cahier a disparu. On a repris, on a annulé. On a repris le jeûne, on m'a programmé pour un autre jour. Je suis rentré dans le jeûne. J'ai encore préparé mon cahier de brisement de liens. Ça a encore disparu. Et la prochaine fois, mon frère ici m'a dit, cette fois-ci-là, que ton cahier disparaisse ou pas, on va faire ton brisement de liens. Je vous dis la vérité, les deux cahiers perdus là ont été retrouvés. Alléluia. Jésus-Christ. On a fait mon brisement de liens. On a donc fait mon brisement de liens. J'ai été soulagé, c'est-à-dire que la maladie ne se manifestait plus comme elle faisait. Donc, il fut un moment, depuis le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, jusqu'à ce que j'arrive en classe de terminale. J'ai donné ma vie à Jésus quand j'étais en 6e et en 2e et en terminale, c'est-à-dire 2 ans après. Nous étions en train de faire la correction d'un exercice de mathématiques, d'un exercice de niveau de mathématiques. Pendant que nous étions en train de faire la correction, on m'a tapé un coup ici. J'ai reçu un gros coup. J'ai crié « Aïe !» Et mes amis ont commencé à se moquer. Les vieux du village veulent te tuer. Vous savez, quand on est en classe, on se moque. Donc les gens commençaient à se moquer. Et puis moi aussi, j'ai dit « Bon, quittez là. » Les 10 minutes, 15 minutes qu'on suivit, frère, j'ai commencé à trembler, créloter. J'avais froid. Je tremblais sur moi. Donc, le professeur a demandé que certains amis de la classe m'accompagnent d'abord chez le censeur et qui va me donner un billet pour me rendre au dispensaire de l'établissement. C'est ce qui a été fait. Arrivé au dispensaire de l'établissement, on m'a fait coucher quelque part là. Et il y a les sages-femmes qui sont venues me prendre la température. Quand elles m'ont pris la température, j'ai attendu très bien. Il y a une infirmière plutôt qui disait, avec cette température-là, il vit encore, j'ai bien entendu, ça fait 47 degrés Celsius. J'ai très bien entendu. Et j'ai eu tellement peur parce qu'elle a dit, avec ça, il vit encore. Donc, dans mon cœur, j'ai dit, moi, je ne vais pas mourir ici. J'ai demandé à une sage, à une infirmière, que moi, je vais appeler mon oncle parce que le dispensaire de l'établissement n'était pas loin du trésor de Dabou. C'était juste à côté. Donc, mon oncle travaillait au trésor en ces temps. J'ai dit que je vais appeler mon oncle. Donc, je l'ai appelé et je lui ai dit que j'étais malade, qu'on m'envoie au dispensaire, mais moi, je vais rentrer à la maison. Donc, ça n'a pas duré. Il est venu me chercher pour m'envoyer à la maison. Et pendant qu'on partait à la maison, j'ai appelé mon faiseur de disciple, le pasteur Nguessa Mathieu, qui est missionnaire à Dabou. Je lui ai dit un peu ce qui s'est passé et que je partais maintenant à la maison parce que mon oncle est venu me chercher. Il a dit, il n'y a pas de souci. Et quand je suis arrivé à la maison, comme un tout bon enfant de Dieu, j'avais carrément vraiment négligé un peu le mal que j'avais. Donc, au salon, j'étais assis, un peu couché, mais je lisais quand même ma Bible. Et les frères qui ont été envoyés par mon faiseur de disciples pour me rendre visite sont venus. Ils ont prié un peu pour moi, ils m'ont encouragé et ils sont partis. Après quelques secondes, ça n'a pas duré, de leur départ, j'ai eu un profond sommeil. J'ai senti un profond besoin de dormir. Donc, je me suis levé du salon et je suis rentré dans la chambre. Je me suis couché. Quand tu es dans la chambre où j'habitais, nous habitions, la porte de la chambre est alignée à la porte du salon qui, elle, est aussi aligné à la porte du portail. Donc, je peux carrément voir quelqu'un entrer, venir de loin entrer. Donc, quand je me suis couché, j'étais conscient de ce qui se passait. C'est vrai, je dormais, mais j'étais conscient. J'étais dans un état mi-éveillé, mi-endormi. Et dans cet état-là, j'ai vu un homme qui est entré, qui a quitté l'allée, est entré dans la cour. Et de la cour, est entré, a commencé à venir vers notre porte, la porte de notre salon. Et il a pris les marches de l'escalier de la porte pour entrer. Et il est effectivement rentré au salon. du salon, il est venu tout droit dans la chambre. Et arrivé dans ma chambre, il s'est arrêté à mon chevet, puisqu'il était couché sur le lit. Il est venu s'arrêter juste à mon chevet, comme je suis arrêté là. Et moi, j'étais couché là. Et j'ai levé la main, j'ai levé la tête plutôt. Je l'ai regardé. Je ne voyais pas bien son visage, parce que le visage était très brillant, comme le soleil. Ça était éclatant. Mais je pouvais voir de façon très distincte sa main. Et dans sa main, il y avait un torchon de couleur blanche. Et il a fait d'un geste, le même geste comme ça. Comme ça. Et mon ventre s'est déchiré en deux. Et il m'a dit, regarde. Et quand j'ai regardé dans mon ventre était rempli de pus, des tessons de bouteilles, des morceaux de pneus, des pointes. Tout ça était dans mon ventre. Et quand j'ai fini de regarder, j'ai aussi levé ma tête vers lui. Et j'ai vu qu'il a pris le torchon qu'il avait. Il a essayé de nettoyer toutes ces saletés qui se trouvaient dans mon ventre. Mais le torchon n'a pas pu. Quand il a fait, il y a eu résistance. Donc, il a repris le torchon. Il a introduit dans lui-même son ventre dans ce même geste que je fais là. Et quand il a fait sortir, le torchon était rempli de sang. Et il a levé juste le torchon au-dessus de moi comme ça. Et une goutte est rentrée dans mon ventre. Toc. Ça a tout nettoyé. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le roi des rois. L'agneau immolé. Le sang de la rédemption est tombé dans le ventre de notre frère. Une seule goutte. One drop. Et quand la goutte est tombée, ça a tout nettoyé. Et il m'a dit, il a refait le même geste. Et mon ventre s'est refermé. Il a dit, voilà, c'est fini, tu es guéri. Et il s'est retourné. Jésus-Christ. Jesus Christ. Alléluia. Et il s'est retourné. Il est sorti de la chambre, sorti du salon, sorti de la cour. Il a disparu. Et moi, je me suis réveillé. Je me suis réveillé. Et toute la douleur que j'entendais avait disparu. Alléluia. Alléluia. Mais le temps que ce miracle s'est produit avec le départ des frères n'était pas loin. Là où j'habitais, pour arriver au goudron, il faut entre 10 et 15 minutes de marche. Donc j'étais conscient que les frères n'étaient pas encore arrivés au goudron. Ils n'étaient pas loin. Donc je me suis levé. J'ai couru. Je suis allé dire aux frères que Jésus vient de rentrer dans ma chambre. Il vient de me guérir. Jésus-Christ. 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 Oh Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ. Il guérit toujours. Jésus-Christ. Alléluia. Et depuis ce jour, je vous dis la vérité. Depuis ce jour, ce mal-là, je ne l'ai plus jamais eu. Aujourd'hui, ce que moi j'appelle maladie, c'est que peut-être qu'on a veillé beaucoup, on n'a pas dormi, on a eu mal à la tête. Je dis que je ne me sens pas bien. C'est tout. Alléluia. Jésus l'a fait. Musique, musique. Dansez jusqu'à ce que la maladie quitte le corps. Après avoir écouté tel témoignage, tu ne dois plus garder la maladie dans ton corps. Laissez-moi, venez ici. Miracle, yeah, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, oh Dieu l'a réalisé. Ce qui n'était qu'un rêve, oh Dieu l'a réalisé. Miracle, yeah, ce que rêve, Dieu l'a réalisé. Quand j'étais malade, oh Jésus m'a guéri. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. Miracle, je suis dépassé. Ce qui n'était qu'un rêve, Dieu l'a réalisé. C'est que rêve, Dieu l'a réalisé. Dépassé, adoration à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ. 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 Jesus Christ. Une goutte de sang. A drop of blood. A nettoyé toute la maladie mystique. Clean all the mystical diseases. Qu'on avait introduit dans le ventre d'un petit garçon. That was introduced in the womb of a small boy. Il serait mort depuis, enterré même oublié. He would have died since long, even buried and forgotten. Jésus va le faire. Jesus will do it. Ce soir. Tonight. Tiens-toi debout. Stand up. Tu dis, je laisse la maladie dans la poussière. Say, I leave the sickness in this dust. Commence à prier pour toi-même. Start praying for yourself. Dis au nom de Jésus. Say the name of Jesus. Je rentre avec un corps sain. I'm going home with sans maladie. Holy body, without sickness. Un corps sain, sain, sain. A saint body, a saint body. Sans maladie. Without sickness. Quelle que soit la maladie. No matter the sickness. Tu dis maladie, je n'ai même pas besoin de connaître ton nom. So sickness, I don't even know to know your name. Mais si tu es de la classe des choses qu'on appelle maladie. If you are the class of what is called sickness. Va-t'en. Be gone. Quitte mon corps. Leave my body. Dis maladie. Say sickness. De ma tête. From my head. Jusqu'à la plante de mes pieds. To the sole of my feet. Je ne te donne aucune partie de mon être. I do you no part of my being. Va-t'en! Disparaît, disparaît, disparaît. Disappear, disappear. Dis, écoute, écoute, maladie. Say, listen, sickness. Je te parle au nom de Jésus. I speak to the Lord Jesus. Je te parle au nom de celui qui a versé le sang. I speak to the Lord, the one who shed blood. Je te parle. I speak to you. Au nom de celui qui a versé le sang. The Lord, the one who shed blood. Le sang de la rédemption. The blood of redemption. Le sang de mon rachat. The blood of my redemption. Le sang pour mon rachat. The blood for my redemption. Le sang pour ma justification. The blood for my justification. Le sang pour ma propitiation. The sang for my. Le sang pour l'expiation de mes péchés. The blood for the expiation of my sins. Comment ça dit, continue à dire à la maladie, tu me quittes, tu quittes, tu quittes. Start saying the sickness. Leave me, leave me, leave me. Disparaît. Disappear. Va-t'en, maladie. Be gone, sickness. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus. Va-t'en. Be gone. Au nom de Jésus. Va-t'en. 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 Be gone. Orabaka sharabaka sharabaka. Orabaka sharabaka sharabaka. Orabaka sharabaka sharabaka. Orabaka sharabaka. Orabaka sharabaka. Va-t'en, maladie! Begone, disease! Si tu restes assis, tu es en train d'entretenir la maladie. If you remain seated, you are taking care of your disease. Toi qui as la béquille là. You who are. Toi tu vas prendre ta bénédiction quand lève-toi. You lose your sickness, your blessing. Stand up. Ne laisse aucune maladie. Don't leave any disease. Si tu as une béquille, tu jettes, tu marches. Leave it and walk. Si tu n'as pas, arrangez les micros. Si tu ne vois pas, if you can see, tu ouvres les yeux, tu regardes. You open your eyes and you look. Tu ouvres les yeux, tu regardes. You open your eyes and you see. Si tu n'entends pas, if you can hear, tu tends ton oreille, tu vas entendre. You saw your ear and you hear. C'est le temps de la guérison miraculeuse. It's the time of miracles. Il te sera donné selon ta foi. You begin to according to your faith. Parce que Jésus t'a déjà dit qu'il est là. Because Jesus already told you that. Jésus t'a déjà dit qu'il est là. Jesus already told you that he is present. Jésus t'a déjà dit qu'il est là. Jesus already told you that he is present. Jésus t'a déjà dit qu'il est là. Jésus t'a déjà prouvé qu'il est là. Jésus t'a déjà prouvé qu'il est là. Tu ne rentres avec aucune maladie. You go home with no sickness. Aucune maladie. No disease. 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 Aucune maladie. 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 Jésus-Christ a versé le sang. Jésus a versé le sang. Aucune maladie. Aucune maladie. Aucune maladie. Jésus a versé le sang. Jésus-Christ. Jésus a versé le sang. Oh, Jésus a versé le sang. Oh, Jésus a versé le sang. Oh, Jésus a versé le sang. Jésus-Christ. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a versé le sang. Le sang pour le rachat. Pour le rachat. Pour la délivrance. Pour la délivrance. Pour la délivrance. Pour la délivrance. Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ. Jésus-Christ, Jésus-Christ, le sang de la rédemption, le sang de la justification, le sang du rachat, le sang du rachat, le sang de l'adoption, le sang de l'adoption, le sang de la propitiation, le sang de l'expiation. En son nom, reçois ta guérison, reçois ta guérison. En son nom, en son nom, lève-toi et marche, lève-toi et marche. En son nom, lève-toi et marche. En son nom, lève-toi et marche. Lève-toi et marche, lève-toi et marche. En ton nom, regarde et vois, regarde et vois. Regarde et vois. Écoute et entends et entends. Oui, au nom de Jésus-Christ. Oui, continue à prier. Continue à prier. Jusqu'à ce que la gloire descende dans ta vie. Que la gloire de Jésus descende. C'est son esprit qui travaille. C'est son esprit qui travaille. C'est son esprit qui travaille. Oh, rakabakasere bakasere bakasabaka. Ora bakaseva karabala basega rabaka. Yetara masende kere baltara basaba. Gori dal baseme kere baltaba. Ora bakalaba. Dis au nom de Jésus, nous jugeons toute maladie du corps, toute maladie de l'âme, toute maladie de l'esprit, maladie. Nous vous chassons au nom de Jésus-Christ. Nous vous chassons. Nous vous chassons. Nous proclamons la liberté de chaque corps. La liberté de chaque âme, la liberté de chaque esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Continue à prier. Assieds-toi. Assieds-toi et garde le calme. Be seated and keep silent. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus est bon. Jesus is kind. Dis merci pour les guérisons. Thank Jesus for the healings. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Amen. Amen. Garde le calme. Keep silent. Si un démon veut partir, If a demon wants to go, qu'il ne perde pas le temps. She no waste time. Chaque démon sait. Each demon knows ce que Jésus a fait à la croix. What Jesus Christ did at the cross. Chaque démon sait ce que Jésus a fait à la croix. Each demon knows what Jesus Christ did at the cross. Démon, tu sais ce que Jésus a fait à la croix. Demon, you know what Jesus did at the cross. Il a dit l'heure est venue. He said the time has come. Le prince de ce monde doit être jugé, jeté dehors. When the prince of this world must be judged and take it out. Tu dois libérer ce corps. Must release that body. Fais-le vite, vite maintenant, sors et va-t'en. Non. Tout esprit démoniaque. Any demoniac spirit. Tu es jugé. You are judged. Sors et va-t'en. Out and be gone. Tu ramasses tout ce qui t'appartient. You take all that belongs to you. Va-t'en, vite. Begin, quickly. Oui, va-t'en. Yes, begin. Je te renverse au nom de Jésus-Christ. Je brise ton trône. I break your throne. Manifeste-toi et va-t'en. My fire has begun. La lumière de Dieu t'expose. The light of God exposes you. Donc il voulait rester caché. You wanted to remain hidden. Tu ne peux plus. You cannot do it anymore. Soyez concentré. Be concentrated. Si tu bailles d'une façon anormale, c'est une délivrance. If you yawn in an abnormal way, it is a deliverance. Si tu as le vertige, la nausée, c'est une délivrance. If you are dizzy and nausea, it is a demon who wants to go. Point de paix pour les méchants. No peace for the wicked ones. Que tout esprit venant des eaux. That any spirit coming from water. Toi qui as été adoré à travers les eaux. You were worshipped through water. Tes œuvres sont bannies. Your work is banned. Sors et va-t'en. Out and be gone. Tout esprit qui est venu de l'adoration des eaux. Any spirit that comes from the worship of water. Sors et va-t'en. Out and be gone. Toute personne qu'on a envoûtée à travers l'eau. Any person who was bewitched through water. On a pratiqué contre toi, on a jeté dans l'eau. They practice against you. And they throw it into water. Va-t'en! Be gone! Va-t'en vite! Begin quickly. Toute personne qu'on a envoûtée à travers la terre prélevée dans un cimetière. Any person be rich if the mad taken from a cemetery or a tomb. Je proclame que tu es libre. Je proclame que tu es libre. Après, il est free. Sors au nom de Jésus-Christ. How the name of Jesus. Tout esprit qui t'a suivi. Any spirit that has followed you up. Parce que tes parents sont partis consulter pour te concevoir. Because your parents went to consult to give you birth. Et les démons te revendiquent, te réclament. And demons claim for you. Ils apparaissent dans tes songes, te tourmentent. They appear into your dreams. Va-t'en, va-t'en. Begone, begone. Va-t'en. Begone. Je proclame que je suis libre. Après qu'elle est free. Tout démon qui t'a suivi. Any demon that has followed you up. À cause de l'idolâtrie. Because of idolatry. À travers les masques. Through masks. Les masques. Masks. Les masques. Masks. Leur danse, leur adoration. Their dance and their worship. Je brise le joug. I break the yoke. Satan, va-t'en vite! Satan, begin quickly! Va-t'en au nom de Jésus-Christ! Begin au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ. Tout esprit appelé mari de nuit. Any spirit called spiritual husband. Tu es là, caché, mari de nuit. You are there, hidden, spiritual husband. Le mariage n'est pas pour toi. The marriage is not for you. Dieu a créé le mariage. God created marriage. Pour les enfants de Dieu. For the children of God. Marie de nuit, va-t'en! Spiritual husbands, be gone! Va-t'en, vite, vite! Be gone, quickly! Esprit impur. Esprit démoniaque. Demonic spirit. De mari de nous, de femme de nuit, mari de nous, femme de nuit, mari de nous. Va-t'en, 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 va-t'en. Begin, begin, begin. Va-t'en, 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 va-t'en. Begin, begin, begin. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Begin, begin. Sors et va-t'en. Out of begin. Koura bakashar, bakashar, bakashar. Même si tu l'as acheté. Even you bought him. Même si elle s'est vendue. Even she sold herself. Consciemment ou inconsciemment. Unconsciously or. Je proclame sa liberté. I proclaim her freedom. Je proclame sa liberté. I proclaim her freedom. Je t'ordonne de partir. I ordain you to go. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Je proclame. Dis mari de nuit, je proclame ma séparation avec toi. Say spirit husband, I proclaim my separation with you. Peut-être tu attends que moi-même je me prononce. Maybe you are waiting for me to pronounce myself. Je ne veux pas. I don't want. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en, sors et va-t'en. Out and begone, out and begone. Sors et va-t'en. Out and begone. Sorry, va-t'en, sorry, va-t'en. How them be gone? How them be gone? Que tout esprit appelé mari de nuit, femme de nuit. That any spirit called spiritual husband or spiritual wife. Va-t'en vite. Be gone quick. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Va-t'en. Be gone. Sors et va-t'en. Sors. Va-t'en. How them be gone? Sorry, va-t'en, sorry, va-t'en. How them be gone? How them be gone? Sors et va-t'en. How them be gone? Sors et va-t'en. How them be gone? Sors. Out. Sors. Out. Va-t'en. Be gone. Sors et va-t'en. How them be gone? Tout esprit. Any spirit. Tout esprit. Any spirit. Appelez mari de nous, femme de nuit. Sors maintenant. Out now. Sors maintenant. Out now. Sors. Out. Et va-t'en. Sors. Out and be gone. Sors. Sors et va-t'en. Out and be gone. Rabaka Shorobaka Haraba. Sors vite et va-t'en, va-t'en. Taillons, pierre, brisons tout. Saccageons. Brisons, saccageons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, que tout esprit, femme de nuit, mari de nuit, 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 va-t'en, sors et 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 va-t'en. Va-t'en! Be gone! Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en. Out and be gone. Sors et va-t'en. Sors et va-t'en. Out and be gone. Out and be gone. Dis esprit de pauvreté. Esprit de pauvreté. Je me sépare de toi aujourd'hui. I separate from you today. Pauvreté, pauvreté. Poverty, poverty. Je me sépare de toi. I separate myself from you. Va-t'en. 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 Jésus-Christ. Jésus-Christ. Gardez le calme. Keep silence. Silence. Gardez le calme. Keep silent. Le Seigneur travaille. The Lord is working. Pour guérir. To heal. Pour libérer. To release. Pour sortir de la prison. To bring out of prison. Pour Cassons toute prison. You play our prisons. Nous cassons toute prison. You play our prisons. Nous cassons toute prison. You play our prisons. 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 Nous cassons toute prison. You play our prisons. Cassons toute prison. You play our prisons. Nous brisons les chaînes. Nous brisons les chaînes. Nous gardez le calme. Keep silent. Gardez le calme. Keep silent. Garder le calme, c'est être travail. Keep silent. The Lord is working. Il peut arracher une boule. He can take out a ball. Il peut arracher l'hémorroïde. He can take out hemorrhoids. Il peut arracher des fibromes. He can take out fibrosis. Angelo dit, il a fait un geste, il a fendu le ventre, il l'a enlevé. Angelo said, he made a gesture, he opened his belly and removed the sickness. Le dernier démon qui voulait se cacher peut décider de partir. The last demon who wanted to hide himself and refused to go. Lève ta main droite. Raise your right hand. Dis, toi dernier démon. Say you last demon. Qui veut résister? Who want to resist? Nous t'expulsons. We expulse you. Nous te poussons à la sortie. We push you out. Gardez le calme. Keep silent. Esprit méchant. Wicked spirits. Je t'arrache cette personne. I take you out from that person. J'arrache tes captifs de tes mains. I take out the captive from your hands. Je te les arrache au nom de Jésus-Christ. Je les arrache au nom de Jésus-Christ. Je les arrache au nom de Jésus-Christ. I snatch them in the name of Jesus. Jesus is Lord. Je te l'arrache au nom de Jésus-Christ. I snatch them in the name of Jesus. Dis Jésus est Seigneur. Acclamation à Jésus-Christ. Jésus-Christ. On peut écouter deux témoignages seulement. Let us listen only two testimonies. Deux. Two. Courts, authentiques. Two short and authentic testimonies. Nous pouvons écouter deux témoignages. You can listen to two testimonies. Rapidement, donnez-lui le micro, rapidement. Quickly, give her the microphone. Give her the microphone. Gloire à Dieu. C'est la sœur Douagre Béatrice. Mon faisait des disciples, c'est pasteur Kakoutié. Tout à l'heure, quand on priait, j'ai senti une douleur au niveau de mes reins. Et j'ai entendu une voix qui me disait, je change tes reins. Je te donne un renouveau. Je te donne un renouveau. Donc je vais dire merci à Dieu pour ma délivrance. Au nom de Jésus. Amen. Suivant. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Fion Dominique. Tout à l'heure, quand le pasteur Menia a demandé à ce que les semeurs chantent et que tout le peuple se met à danser, je t'ai arrêté là. Je disais à ma soeur, ma voisine d'à côté, allons, on va danser. Elle dit non, on dit les semeurs. Je dis allons. On arrivait, je dansais. Mais arrivé ce moment, j'ai commencé à m'étouffer. Mais je lui disais, mais je m'étouffe, ma poitrine me fait mal. Elle ne m'écoutait pas, mais je continuais à danser. Mais quand nous sommes revenus sous la bâche en priant, mine de rien, je veux dire comme ça que j'ai été guérie de l'as, de l'ulcère, des maux de rein. Parfois, mais je suis assise même dans mon ventre. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bouge. Mais depuis un certain temps que je suis assise là, rien ne bouge dans mon ventre. Je rends toute la gloire à Dieu pour cette guérison. Merci Seigneur. Les autres témoignages, c'est demain. Other testimonies are for tomorrow. Viens très tôt. Come very early. De Gonzalo.